Shalom bien-aimé, bienvenue dans ton programme, c'est pour moi, n'oublie pas notre thème spécial, recherche la paix. Et je suis dans Colossiens 3, le verset 13, elle me dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimé, la meilleure façon de rechercher aussi la paix, c'est de se supporter. C'est très difficile. Premièrement, c'est de se supporter. Supporte les autres. Tu sais, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Supporte les autres. Prends les qualités. Enlève un peu les défauts que tu vois dans l'autre et essaie de le considérer en termes de ses qualités. Mais la deuxième chose que tu peux faire, c'est de vous pardonner. Pardon. Bien-aimé, la vie est trop courte. Tu peux te réveiller le matin et ne pas terminer ta journée. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Se retrouver dans une montre, dans un cercueil, c'est Dieu qui le décide. Alors, aussi longtemps que tu vis, recherche la paix. Demande pardon aux autres. Ça, c'est vraiment la façon la plus exacte ou la plus meilleure pour rechercher la paix. Parce qu'autour de toi, tu auras toujours les gens qui vont te frustrer. Bien-aimé, l'Église est faite des hommes et des femmes imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Est-ce qu'au sein de ton département, tu peux dire pardon? Tu peux aller vers ton frère, vers ta sœur pour dire pardonne-moi. Est-ce que tu es difficile à demander pardon? Si vraiment tu es de Christ, parce que la Bible dit Christ de même nous a pardonné. Regarde un peu dans la boue du péché là où nous étions, mais il nous a pardonné. Et si nous devons l'imiter, pardonne. Même si tu as comme l'impression que tu as raison, le pardon n'a pas besoin de justification. Aujourd'hui, je viens te dire, recherche la paix en pardonnant les autres. Que Dieu te bénisse.